personne qui s'appelle Pota, toujours dans cette maison de retraite. Même si nous ne sommes pas du même monde, des amitiés peuvent se nouer quand le temps éternise les journées. Alors, que raconter à l'autre que des pages de sa vie? Dans cette première scénette, les mots choisis par chacune des trois mamies illustrent parfaitement leur caractère. Voici donc Potin de Jacques Morin avec Espé, Kathleen et Pascal. Je n'en peux plus de ces bas de rétention. Bon petit goûter, ça va faire du bien. Oh oui, ça requinque. Ah oui, moi j'adore la compote. Berk, ne me parlez pas de compote. Mais tout le monde aime la compote. Eh bien, pas moi. C'était le nom de mon petit chat adoré. Et alors? Il est mort, écrasé. Oh, la pauvre bête! Arrête! Je vais y penser à chaque fois qu'on aura de la compote. Oh, c'est ça. Pensez-y toutes les deux. Comme ça, je mangerai vos parts. Bah, tu manges de facilité. Bah, détrompe-toi. J'en ai eu un de chat, moi aussi. Il s'appelait Chocolat. Il est mort foudroyé. Ou plutôt, l'arbre sur lequel il s'était abrité a pris la foudre. Et lui avec. Depuis, je ne mange plus d'éclairs au chocolat. Mais que c'est triste. Mais non, je les préfère au café. Et moi qui te croyais? C'est la vérité, je t'assure, je n'invente rien. D'ailleurs, à choisir, j'aurais préféré que ce soit mon mari qui grimpe à l'arbre. Au moins, avec chocolat, j'avais le sentiment d'être écoutée. Tandis qu'avec l'autre zèbre... Vous n'aviez rien en commun? Si. On s'est mariés le même jour. C'est à peu près tout ce qu'on avait en commun. Les hommes, tous les mêmes. Moi, je me suis mariée deux fois. Deux échecs. Le premier, il s'est marré. Ben oui. Et le second, il est resté. Moi, les hommes, je les ai collectionnés. Oui, mesdames. Oui. Tu prends, tu jettes, au moins t'es sûr de pas être emmerdé. D'ailleurs, vous n'avez rien remarqué. Remarqué quoi? Il y en a un qui me regarde depuis un bon bout de temps là. Il est là. Oui. À mon avis, ce doit être un antiquaire. Ou un archéologue à la recherche de vieilleries. Vous êtes jalouse? Oui. Mais non. Allons goûter. Allez. C'est toujours la même. Oh, c'est incroyable ce qu'on nous fait avaler à notre époque. Avec une... Faut voir ce qu'on paye aussi pour la télé. Une redevance, on se demande pourquoi. Tiens, mamie, assieds-toi. Voilà. Oh, vraiment. On aurait mieux fait d'aller coucher. Ah oui. Je t'assure. Ah, je n'ai rien compris à ce film. Oh.
Bon, je dois t'avouer que moi non plus, j'ai pas tout compris. Ah bon, ça me rassure. Au moins, je suis pas complètement idiot. Ah. Sans doute sommes-nous trop vieux, que veux-tu? Oh, on n'est pas des dinosaures. Je me le demande. Ben, pourtant, c'était qu'un film policier. Oui, mais trop compliqué pour nos vieux cerveaux, que veux-tu? Oui, oui. Oui, c'est vrai. D'abord, il y a le plombier qui est tombé de... D'abord, il y a le plombier qui est tombé de l'hélicoptère. Non, qui est tombé. Ben non, on sait pas de où, finalement. Ben, du toit. Mais ouais, ben, du toit, mais peut-être de l'hélicoptère aussi. Ah, oui. Ah, oui, c'est vrai, l'hélicoptère. Mais je l'avais oublié. Mais qu'est-ce qu'il venait faire là, d'ailleurs, cet hélicoptère? Ben, il venait récupérer le plombier. Parce que le plombier était un faux plombier. Ben ouais, un flic déguisé en plombier. Comme le vétérinaire. Mais non! Le vétérinaire était un vrai vétérinaire. Il a tout de suite vu que le chien du plombier n'était pas un vrai chien de plombier. Balèze, petit. Moi, je fais pas la différence entre un chien de plombier et un chien policier. Ah oui, mais c'est parce qu'on a voulu le tuer. Le vétérinaire? Ben non, le chien. Ben, c'est vrai que quand il le perd, le chien, ou c'est plutôt dégueulasse. Ouais, ouais. Ben, et l'élevage industriel de poulets, c'est pas dégueulasse peut-être? D'autant plus qu'on se demande bien ce que ça venait faire dans le film. Ouais, mais... Flic, poulet, il y avait peut-être un rapprochement à tenter. Mais... Et Zorro. Hein? Et Zorro. Zorro qui tombe là au milieu des carcasses de poulets. À mon avis, il devait y avoir un message subliminal. Tenez. Oui, hein. De toute façon, c'était tiré par les cheveux, hein. En parlant de cheveux... Oui, ça va. Tu sais ce qu'il est devenu, le coiffeur? Bon, il a dû se faire zigouiller comme les autres, il en savait trop. Oh, ben alors, c'est pas notre cas. Eh ben, tant mieux. Comme ça, on sera tranquille. Ouais, tu as raison. On mourra idiot, mais de vieillesse. Mais, et le match de volley? Et il a duré. Il a duré. Oh, j'étais sur le point de m'endormir. Hein. Heureusement, il y avait les pubs. Ah, les pubs. Ah, les pubs. Ah, ben, il n'y a que ça que j'ai compris, les pubs. Mais... Mais alors, on saura jamais qui est l'assassin? Ben c'est le plombier. Ben non, il est mort. Mais non, le vrai, le faux plombier. Mais le vrai. Ah, celui qui part dans une île. Avec toutes ces jolies filles fort maquillées. Oh, alors il va en tuer d'autres. Oh, c'est probable. Ben je vais te dire, hein. S'il y a une suite à ce film, préviens-moi parce que j'irai pas la voir. Eh ben rassure-toi, hein, moi non plus. Ça alors. Vous ne devinerez jamais. Quoi? Tout le temps du film, j'étais assise sur la télécommande. Je ne le savais pas. Mais à chaque fois que je bougeais, ça changeait de chaîne. Tu trouves ça drôle? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait?
On la zigouille. Moi, je vais la torturer jusqu'à ce qu'elle me dise qui est l'assassin. Et moi, je vais lui faire bouffer sa télécommande. Bonjour, Gertrude. Bonjour. Oh là là, vous en faites une tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis au régime. Il y a longtemps? Un quart d'heure. Et vous avez déjà perdu votre bonne humeur. Comment ça? À ce qui paraît, c'est la première chose qu'on perd. Eh ben tant pis. Mais après, vous allez tout rider comme une vieille pomme. Oh, eh ben je m'en fous. Moi, j'en ai marre d'avoir perdu mon sex-appeal. À votre âge? Mais il y a longtemps que vous auriez dû l'échanger. Changer quoi? Ben les piles. Oh là 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 là. N'importe quoi. Moi je m'en fous, mais moi ce que je veux, c'est à diminuer mes calories. Oh. Les calories? Mais vous allez baisser votre chauffage pour maigrir. Oh là 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 là. Les calories, ce sont des petites créatures qui entrent dans votre armoire et qui la nuit et qui cousent vos vêtements toujours de plus en plus serrés. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à rentrer dans mes robes. Je comprenais pas. C'est pas étonnant, vous comprenez jamais rien alors. Dites donc. En tout cas, commencez un régime pour les fêtes de Noël. Vous qui adorez le chocolat, ça alors? Mais pensez-vous, moi le chocolat, avec le chocolat, moi je suis une vraie magicienne. Je fais disparaître les boîtes. Mais le chocolat ne contient pas de calories? Bien sûr que non. Il est issu du caca entier. Et alors? Le cacaotier, c'est une plante. Oui. Donc le chocolat, ben, c'est comme de la salade. Et de la salade, on peut en manger comme on veut. En tout cas, moi j'ai bien remarqué que le Nutella rétrécit mes robes. Ah, vous auriez aimé en faire un, vous, un régime? Ah vous? Vous trouvez que je devrais perdre du poids? Seulement, moi, j'aime pas perdre. Mais le régime, c'est ce jeu où quand on perd, on a gagné. Allons. Oh. Oui, peut-être. Mais on m'a calculé mon indice de masse corporelle. Et si j'ai bien compris, je suis grosse parce que je ne suis pas assez grande. Ouais. Mais vous allez faire quoi le soir du réveillon? Ben, je vais aller au restaurant. Au restaurant? Oh. Mais comment vous allez faire? Ben, c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu, non? Oui. Mais après? Après, j'éviterai les choses qui font grossir. Oui, comme les miroirs et les photos. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. J'ai une idée. Ah! Si vous tentiez le régime à l'ail. Oh.
c'est quoi ça? Vous mettez beaucoup d'ail dans tout ce que vous mangez. Oh. Ah ben bonjour la laine de coyote, hein. Mais justement, ça fait reculer les gens. Et de loin, vous paraissez plus mince. Ah ouais, peut-être. Moi, quand je fais le régime, mon estomac, il est pas content. Il fait du bruit sans arrêt. Surtout la nuit, j'ai des fringales. Alors je me lève et j'ouvre le frigo. Eh ben, même la pâtée du chat me fait envie. Oh, ben, faut quand même résister la nuit, non? Mais je sais. Mais alors, pourquoi qu'il y a une lumière dans les frigos? Oh là là, sacrée Sidonie. Ben, moi, je me fous de tout ça, hein. Moi, je veux ressembler à Marilyn Monroe. Ça va être long, votre régime. Avec un corps de baleine et une tête de bulldog, c'est pas gagné, hein. Vous voulez ressembler à quoi, vous, Moi, j'ai toujours rêvé de ressembler à Brigitte Bardot. Ah ben, ça y est maintenant. Oui. Vous lui ressemblez, hein? Sidonie, plus d'un maman, c'est une chose bien connue qu'elle avouait le fièrement. Sidonie a plus d'un amant. Oh là 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 là, pauvre fille. Ben et vous alors, quand vous ressemblerez à Marilyn Monroe, qu'est-ce que vous ferez? Ben stylé. Ben je remangerai. Bonjour, Marie-Jeanne. Je m'appelle Isabelle. Mais vous pouvez m'appeler Marie-Jeanne si ça vous convient mieux. Oui, Marie-Jeanne. Zut, j'ai oublié les compresses. Toujours courir. Mais c'est pas possible. J'ai oublié les laxatifs. ne vous étranglez pas, ça va? J'y retourne, vous savez qu'on dit quand on n'a pas de tête. Oui. Laxatif. Bon, j'espère que j'ai tout cette fois-ci. Non, mais c'est pas vrai. J'ai pas rêvé, il était plein. Avec tout le mal que j'ai eu pour faire pisser la mère voisine. Eh bien, Maurice, aujourd'hui, je me fais du souci pour vous. Mais non, vous mais... Vous pour oui, pour non. Vous êtes de malade. Ah, non, non, non. Ah, vous avez peut-être attrapé froid. Non. Je vais récupérer l'urine de Madame Boivin. Je reviens vers vous. Oui. Non. Mais si. Mais non, Bonjour Louise. J'ai pas le temps, j'ai mon cours de Zumba. Un bonbon. Encore.
Moi, je suis mauvais sur la Zumba. Zumba. Ah, tu me reconnais? Ben, non. Oh, c'était il y a quelques années, mais bon. Oh. Oui, peut-être. Comment peut-être? Si, ça me revient, oui. Comment tu vas? Ben, ça va, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien de spécial. Et toi? Ben, j'ai changé à ce point-là. Non. Je m'attendais pas à te voir, c'est tout. Oh là là. En tout cas, toi, tu n'as pas changé. Oui, merci, oh là merci, là. Merci. Et qu'est-ce que tu deviens? Bof, toujours pareil. Toujours aussi bavarde. Hein? Mais t'es revenu il y a longtemps. Mais d'où? Eh ben de là-bas. Ah oui. Enfin, non. Oh là là, ça m'a fait plaisir oui. De te revoir. Ah bah moi aussi. Ah, ouais. Oh là là, bon, et il faut que j'y aille là maintenant. On s'embrasse? Oh. Hein? D'accord. À une autre fois, ouais. Peut-être, hein? Oui, peut-être, hein? Oui. Allez, au revoir. Hein. Allez, à bientôt, Isabelle. Isabelle. C'est toi? Beaucoup de hommes beaux comme moi qui rentrent ici sans sonner. Bon, tu es rentré. Et que t'a dit le médecin? Il m'a dit que tu es malade. Moi? Mais c'est toi qui allais consulter. Oui, mais quand je lui dis comment tu me brimes, il a compati. Mais Roger, tu bois trop. Et pas que de l'eau. Ton foie, ta coprose, ton nez fraisé. C'est pour ton bien que je cache les bouteilles. Mais moi j'y peux rien si j'ai soif, je la bouffe sèche, je sèche la bouffe, donc je sèche et ça me fait du bien. Alors je vais écouter le conseil du médecin. Quel conseil? Il m'a dit, n'écoutez pas votre femme. Alors un, je suis malade et deux, tu ne dois pas m'écouter. Il a de l'humour, cet homme. Oui. Mais il y a un gars dans la Bible, il a dit, donnez à boire à celui qui a soif. Si c'est écrit dans la Bible. Allez bien, on va trinquer. Ah tiens le bonbonne. Ça me fait plaisir de te voir si positive. Et tant que t'es si bien disposée, je peux te demander de te faire enlever cette verrue poilue là que t'as au bout du nez. Crétin! Dis-moi, le médecin, il a regardé tes analyses de laboratoire? Oui, il m'a rassuré et il m'a dit, en regardant les dernières analyses de sang, mais vous avez soif? Mais buvez! Buvez! Il est bien, lui. C'est pas lui qui ramène les bouteilles vides au récup vert. Et qui te supporte! En me raccompagnant? Il parlait doucement à sa secrétaire, mais j'ai bien entendu que pour ma cirrhose, c'est, tout était parfait. J'ai même plus besoin de médicaments. C'est extra, non? J'ai toujours trouvé que notre généraliste était très perspicace. Hein? Après, il m'a serré vigoureusement la main et il m'a dit... Buvez pour calmer vos angoisses et abréger vos souffrances.
Et puis, il a rajouté, c'est pas la peine de revenir, vous n'en avez que pour quelques jours. Il est drôle, non? Attends, que pour quelques jours? Ah, enfin une bonne nouvelle! Nous avons eu le plaisir de jouer et je parle de plaisir. C'est un grand, grand plaisir de jouer pour vous. Alors merci, merci encore. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Mais n'oubliez pas, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez, pour un miam miam et un glou glou. Je vais vous présenter les comédiens que vous avez eu le plaisir de voir sur scène ce soir. Alors, nous avons Josette. Christian. Claire. Par une équipe de petites mains qu'on ne voit pas, mais qui sont là et sans qui rien n'aurait été possible. Je veux parler de Christine la souffleuse. Je veux parler de Jean-Yves. De Denis le machiniste. Qui supervise tout et ça qui rien. Oh merci à vous, à tout de suite. Vous nous laissez juste 5 minutes parce que nous sommes ici et nous n'avons pas le don de l'ubiquité. Donc nous ne pouvons pas être là-bas pour vous servir et ici pour vous saluer. Donc laissez-nous quelques minutes de manière à organiser pour vous, pouvoir vous régaler. Merci. Ouais.